A salué tout à l'heure le maréchal. Si vous n'aviez eu pour vous défendre, mes compatriotes français, au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête, que vos professeurs de patriotisme d'aujourd'hui, abrités derrière les micros de Londres ou d'Alger, voudraient bien savoir où vous en seriez. J'ai choisi la France et son avenir. Le maréchal disait un jour, avec un sourire mélancolique en faisant présent ma présence, les Français me reprochent d'avaler des couleuvres. C'est vrai que j'en avale beaucoup, et je n'ai même pas moi la consolation de leur expliquer que chaque fois que je m'y résous, c'est pour leur épargner à eux des mots plus grands, que je n'ai même pas la possibilité de leur dire. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. J'ai choisi la France et son avenir. Alors, jugez mieux. Jugez plus sainement. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, et qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie, que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Il est vain d'espérer la fin de notre décadence tant que nos enfants n'auront pas reçu de leur maître une conscience neuve. Saluer tout à l'heure le maréchal. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.